là, je vais juste m'entraîner à numéro de cirque, numéro de jonglage. D'accord, numéro de jonglage. Mais pourquoi vous entraînez sur place, là, sur le lieu? Parce que... chez vous, dans votre... Hein, j'emmerde pas les voisins et puis en même temps bah dehors au moins on partage des choses avec les gens et puis les gens quand je fais une erreur ils peuvent l'accepter que sur scène je peux pas donc là bah je m'entraîne les gens vont croire que c'est un show mais c'est juste de l'entraînement et puis après je reprendrai mes spectacles de magie et puis peut-être qu'un jour je mélangerai les deux. Merci. Et c'est quoi vous faites ici? Alors moi je suis artiste de rue et je fais de la scène aussi, mais comme en ce moment j'ai pas de contrat, bah, je fais des spectacles de rue et je fais des spectacles de magie. Je viens de suivre là, je vois quelques séquences, mais depuis quand vous faites ce genre de spectacle? Alors j'ai commencé les cours à l'âge de 8 ans, alors aujourd'hui j'ai 29 ans et je fais de la rue depuis l'âge de 17 ans. D'accord. Alors, depuis l'âge de 17 ans, bon, c'est vrai, ça fait un certain temps, mais qu'est-ce qui vous a incité à commencer à faire ce genre de spectacle? Au début, j'habitais à la pelouse du Ruy dans le 12e, où là où il y avait la fête foraine l'été, les cirques qui venaient l'hiver. Et j'habitais pile les maisons en face. Et ça m'a pris goût à partir de là. Et puis j'avais ça dans le sang. Et puis après, bah, ça a évolué.
et comment vous, vous sentez l'accueil du public? Des fois très chaleureux, des fois très difficile. Ça dépend les jours, ça dépend de la météo et c'est pas évident tous les jours, mais en général ça se passe bien. Est-ce que vous arrivez à vivre, à gagner votre vie avec, en faisant ça? C'est toujours pareil, oui ou non. Des fois je vais très mal gagner de quoi manger et basta, et vraiment zéro. Comme des fois je vais très bien gagner, mais en général ce que je gagne très bien, ça rembourse ce que j'ai pas gagné avant. Il y a eu un moment où quand tu pètes trop un câble parce que t'en as trop, parce que tu donnes beaucoup au public, et au bout d'un moment tu t'as envie de changer d'horizon, mais après comme tu as ça dans le sang, c'est pas qu'une passion, j'ai ça dans le sang, il y a quelque chose qui me manque, le public, la scène, quelque chose, je peux pas m'arrêter, surtout que ce métier là il comprend le trois quarts des métiers. Pourquoi? Parce que on me voit en tant que magicien, mais derrière le décor il faut savoir peindre, bricoler, souder. Par exemple la valise qui est juste là, c'est moi qui l'ai bricolé, j'ai pris des fils électriques, des trucs électroniques et j'ai bricolé tout ça. D'accord, alors c'est vrai, vous, vous faites un peu tout quoi? Pas tout, mais pas mal de choses, oui. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, souhaitez dire, c'est vrai, à ce, ce public on peut dire, est-ce que c'est un public de rue et des, surtout des visiteurs? Qu'est-ce que j'aimerais dire? Que si les gens ils pouvaient essayer d'être moins stressés, d'être un peu plus souriants, ça m'a, à mon avis, on partagerait déjà un peu plus de choses ensemble. Hébergeur gratuit, mais c'est www.wixwix.com/Tonio Spectacle/Tonio. Sinon, on me retrouve sur Facebook avec deux mots, David Spectacle. Merci beaucoup. De rien, à vous aussi, puis à très bientôt. C'est super, ok, c'est bon.
qu'est-ce que vous pensez du spectacle de Tonio? C'est super, presque tous les jours il est là, sauf il fait très mauvais, il n'est pas là, et super. Mais vous, je crois que vous êtes un jongleur. Alors là, à ce moment, je ne sais pas, parce que je suis à ce moment très fatigué et je ne peux plus là, à ce moment. J'ai des problèmes de jambes, je ne peux plus là.